Et là, on entend bien aussi. Ça va. Bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez à distance en particulier. Alors, nous avons le plaisir de reprendre la séance que nous avons, enfin, la session que nous avons consacrée à la question de la justice et de la mémoire. Nous avons abordé précédemment plusieurs thèmes liés à ce concept. En particulier, nous avons abordé avec Sylvie Thénault, le cas de l'affaire Audin, Maurice Audin, épisode qui s'est déroulé pendant la guerre d'Algérie. Nous avons abordé antérieurement également le thème de la coutume, le temps long de la mémoire et des usages, indépendamment du droit positif. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème différent, mais toujours dans la même perspective, le thème de la mémoire, de la justice, de l'histoire, dans un autre continent, l'Amérique latine, avec Katia Martin-Chenu, qui est parmi nous, ainsi que Sylvie Imbert, qui sera discutante de cette table ronde. Katia Martin-Chenu est juriste, elle est spécialiste du droit international, des droits de l'homme en particulier, et également directrice de recherche au CNRS, ainsi que directrice adjointe de la mission de recherche droit et justice, bien connu de toutes les personnes qui suivent nos séances. Alors, un mot simplement pour remettre en perspective cette thématique que nous avons choisi de traiter cette année dans ce séminaire. D'abord parce qu'il nous a semblé que la justice était tournée vers les faits passés et avait en charge de les traiter, de les juger, et qui est une fonction assez habituelle dans le monde de la justice, puisqu'il s'agit avant tout, non pas de se projeter vers l'avenir, mais à condition de réévoquer des faits passés dans le cadre d'une audience. Et quand ces faits sont proches, si vous voulez, de la date du jugement, cela pose guère de difficultés, puisque le contexte du jugement et le contexte des faits sont concomitants. Mais il y a des cas où les faits sont plus éloignés du moment du jugement et la difficulté de réunir ces faits après un temps long, malgré l'érosion des preuves, malgré la disparition des témoins, est beaucoup plus complexe. Et il y a une tension très souvent entre une fonction mémorielle de réactualisation des faits et en même temps des principes généraux du droit que l'on connaît bien, qui sont favorables aux auteurs, comme la présomption d'innocence ou les preuves qui doivent être réunies pour démontrer une accusation. Et très souvent, vous avez dans ces cas-là une tension entre la loi qui vise d'une certaine manière, par des institutions comme la prescription et l'amnistie, l'oubli, au sens général du terme, et des groupes sociaux, des groupes victimes qui veulent réactualiser un passé à travers une audience afin de reconstruire une perspective acceptable pour eux. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, en France, en Europe, mais aussi en Amérique latine, on va le voir avec Katia Martin-Chenu tout à l'heure, il y a une nouvelle donne, un nouveau contexte qui apparaît.
parce qu'il y a des crimes commis par leur ampleur qui défient quelque part le temps, parce qu'il y a une résonance dans nos sociétés de ces crimes, notamment dans les démocraties pluralistes, qui ouvrent le champ à des groupes sociaux divers, et puis parce qu'il y a une capacité de mobilisation de ces groupes, notamment de victimes, qui sont concernés par ces crimes. Évidemment, on a tous en tête les victimes juives et l'héritage de la Shoah. Ce qui reformule complètement le rapport que l'acte de juger a avec le temps, et la part mémorielle aujourd'hui tend à l'emporter, à en tout cas interférer sur la part d'oubli qui peut parfois s'accorder avec une volonté politique d'amnistier, d'oublier, et également de faire triompher la prescription, ce qu'on appelle généralement aussi les institutions de clémence, qui sont connues comme étant la prescription, l'amnistie et la grâce dans notre droit positif. Voilà un peu le contexte de nos travaux. Nous avons donc abordé, comme je l'ai dit en introduction, la question sous l'angle de l'histoire de la justice plutôt en France, mais je crois qu'il était important que nous ayons un pas de côté et que nous regardions maintenant du côté d'autres pays comment ce rapport au temps que vit aujourd'hui l'acte de juger a été traité dans d'autres continents, et en particulier avec le regard du juriste qui va être celui de Katia Martin-Chenu, à qui je laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Denis. Bon, j'aimerais tout d'abord remercier Denis Salas et Sylvie Humbert pour cette invitation, ainsi que Vincent Bernodeau de l'Association française d'histoire pour la justice et Madame Azria de la Cour de cassation pour cette organisation dans des conditions difficiles. Grâce à cette invitation, je me suis replongée pour préparer cette conférence dans une thématique qui m'est très chère. Et je ne peux pas empêcher de le dire, malheureusement, toujours d'actualité, notamment dans mon pays d'origine, le Brésil, pays qui nous montre combien les avancées dans la construction d'une mémoire collective sont fragiles. Je reviendrai sur ce point si on a le temps à la fin de cette conférence. Quand Denis m'a proposé d'intervenir, je pensais parler de la jurisprudence du système interaméricain en matière de lutte contre les graves violations des droits humains, laquelle a joué un rôle important dans les processus dits de justice transitionnelle en Amérique latine. Mais le titre de la conférence, il est un peu plus large, hein, « Justice, mémoire et oubli en Amérique latine ». Et j'ai essayé de réunir quelques éléments au-delà de la jurisprudence du système interaméricain pour partager avec vous quelques réflexions qui concernent aussi certains processus nationaux, ayant pour idée centrale celle du rôle de la justice, voire du procès, y compris du procès pénal, dans la construction mémorielle. Mais l'Amérique latine est immense, hein, les contextes politiques sont très disparates, notamment ceux du passé autoritaire et des processus transitionnels. Donc je me limiterai à quelques exemples au cours de cette conférence des pays du Cône Sud qui ont subi des régimes autoritaires entre les années 60 et 80. Les réflexions que je partagerai avec vous sont le fruit des travaux de recherche menés il y a plus d'une dizaine d'années au sein de l'ancienne UMR de droit comparé de Paris sur les institutions des clémences. Denis vient de nous dire qu'est-ce que cela regroupe, cette expression. Amnistie, grâce, prescription, un droit international et un droit comparé. C'était une recherche menée entre 2003 et 2005, soutenue par la mission de recherche droit et justice à l'époque, dirigée par Hélène Ruy Fabry, Elisabeth Lambert Abdelgawad et Gabriel Delamorte. Donc une partie, la partie consacrée au droit international, a été publiée au Brésil,
avec le soutien d'une association des procureurs fédéraux, des membres du ministère public fédéral. Aussi, une recherche sur les tribunaux militaires et d'exception en mutation face aux nouvelles exigences du droit international, une recherche menée aussi au sein de l'ancienne UMR de droit comparé de Paris entre 2004 et 2006, qui a été dirigée par Elisabeth Lambert Abdelgawad et aussi soutenue par la mission de recherche droit et justice, ou encore un projet collectif d'ouvrage sur les réparations des graves violations des droits humains devant les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, qui partait de la jurisprudence de la Cour interaméricaine pour analyser son potentiel d'inspiration par rapport au système africain dont les violations des droits humains et leur contexte étaient proches de ceux du système interaméricain et européen, qui avec l'élargissement des pays membres du Conseil de l'Europe étaient de plus en plus saisis d'affaires concernant des violations graves et massives des droits humains et qui pourraient donc trouver une inspiration dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine. Puis, en 2011, à la suite d'une recherche exploratoire sur les figures de l'internationalisation du droit en Amérique latine, une recherche hébergée par le Collège de France, j'ai pu organiser, avec des collègues brésiliens de l'Université de São Paulo et les ministères de la Justice brésiliens, un colloque dont les titres étaient « Droit à la vérité » et « Justice des transitions dans les pays du Cône Sud ». Ces colloques étaient l'occasion de réunir des chercheurs et des praticiens des 5 pays d'Amérique latine, Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay, et de lancer un projet de recherche. Donc c'était 5 pays d'Amérique latine, un pays dont les régimes autoritaires étaient proches dans le temps, à l'exception du Paraguay où le début de la dictature est bien antérieur, mais sa fin est proche de celle des autres pays objets d'analyse, et qui tentaient, ces pays tentaient et tentent toujours aujourd'hui de consolider leur démocratie. Enfin, ces 5 pays, ils ont été aussi impliqués dans le plan Condor, l'opération Condor, qui regroupait des services secrets et des polices latino-américaines dans le but de combattre, voire d'exterminer, hein, les opposants politiques au régime autoritaire en vigueur dans la région. L'idée de ce colloque était de confronter les transitions vers la démocratie à la suite des régimes autoritaires qui ont sévi pendant la seconde moitié du XXe siècle dans ces 5 pays, et de s'interroger sur les conséquences juridictionnelles et extra-juridictionnelles de l'affirmation d'un droit à la vérité, mais également de mettre en exergue les différentes lectures faites du passé autoritaire de ces pays. J'ai voulu partir de la belle phrase de Louis Joigny lors de ses travaux à l'ONU, le rapport de 85 plus de 97 sur la lutte, les principes de la lutte contre l'impunité, où il disait que pour pouvoir tourner la page, il faut déjà l'avoir lue. Et je voulais, en partant de cette formule, essayer d'analyser comment cette lecture a été mise en œuvre dans les 5 pays et surtout dans les cadres de nos recherches. Quel rôle a joué le droit international dans une telle lecture ? Enfin, en sens inverse, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'analyser les rôles joués par les régimes autoritaires latino-américains et par cette lecture latino-américaine dans l'évolution du droit international en matière de lutte contre l'impunité et des réparations des graves violations des droits humains. Et là, ces colloques ont été l'occasion de lancer un programme de recherche actuellement accueilli par le Centre de droit comparé de l'UMR ISJPS, c'est l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, auquel je suis rattachée, qui s'appelle la recherche « Les contributions de l'Amérique du Sud à l'esquisse d'un droit commun ».
Donc, les actes de ces colloques, ils sont en ligne, mais en portugais du Brésil. Pour ceux qui s'intéressent à cette thématique, les travaux du projet, les contributions de l'Amérique latine à l'esquisse d'un droit commun peuvent être aussi suivis sur le site de l'IEJPS. Donc, celui-ci est le contexte académique, très brièvement décrit, de cette conférence. Et j'ajoute à cette liste des recherches, pour ceux qui s'intéressent encore à la thématique, une initiative conjointe de la Maison Dizieux, de l'Université de Lyon et de l'Université de Poitiers, qui est un séminaire pluriannuel sur les rôles des procès dans la construction mémorielle des crimes de masse. Une très belle initiative dans un endroit fort d'émotion, la Maison Dizieux, qui a lieu depuis 2016. Et j'ai eu l'opportunité de participer l'année dernière à ces séminaires. Donc, de ces travaux ressortent, par exemple, outre le lourd bilan des violations des droits de l'homme commises lors des régimes autoritaires sévissant en Amérique latine pendant cette seconde moitié du XXe siècle, j'ai mis ici quelques références datées de la fin de la dictature, des dictatures, pardon, et du début des périodes des transitions, mais ces bilans ont été aussi revus à la hausse à la suite des différents travaux issus des commissions Vérité et Réconciliation, mais aussi des travaux réalisés par des ONG, des journalistes. Il ressort des recherches mentionnées que cette région est, et je cite Monica Pinto, qui est une professeure argentine, professeure de droit et spécialiste de droit international des droits de l'homme, et qui a occupé aussi des postes internationaux dans ces domaines, qui disait que cette région, elle est probablement, je la cite, le laboratoire au sein duquel les épreuves en vue du traitement du passé récent ont été les plus intenses et créatives, tant en règles juridiques qu'en pratiques institutionnelles. Si dans un premier temps, au moment des transitions des régimes vers la démocratie, une politique de l'oubli, comme tu as mentionné, Denis, par des lois d'amnistie a été privilégiée, dans un second temps, lors des processus des consolidations de l'état de droit, une remise en question des lois de l'oubli a pu être constatée. Par ailleurs, même en dehors de toute remise en question de ces lois, un souci de remise en cause du simple oubli des constructions d'une mémoire nationale collective et des reconnaissances de la responsabilité de l'État dans les exactions commises pendant cette période a vu le jour. Dans un premier temps, donc comme je disais, au moment des transitions de régime vers la démocratie, une politique du pardon, ou plutôt de l'oubli, par des lois d'amnistie a été privilégiée. Là, je vous montre quels sont ces textes. Cela sans compter les grâces, par exemple, les grâces présidentielles argentines, je reprendrai cette question rapidement, et la prescription. Donc, il faut noter que la diversité de ces instruments, même dans les cadres des institutions de clémence en soi, et là nous avons abordé ça dans les cadres de cet ouvrage, parce que outre l'existence de la prescription, nous avons les amnisties et les grâces qui peuvent être individuelles ou collectives. Et quant aux amnisties, il faut mettre en exergue les caractères polysémiques du terme. Ils couvrent des situations très diverses, allant des amnisties unilatérales à celles adoptées d'un commun accord, par exemple. La loi d'amnistie brésilienne de 1979, même si un accord entre des parties aussi déséquilibrées, l'oppresseur et l'opprimé, est contesté. Et d'ailleurs, je vous parlerai de la jurisprudence interaméricaine qui confirme que même ces lois négociées doivent être écartées.
Donc, sur la diversité des lois d'amnistie, nous avons des amnisties unilatérales, mais aussi celles adoptées de commun accord. Nous pouvons aller aussi des auto-amnisties, comme la loi argentine de 83 ou la chilienne de 1978, à celles adoptées par le gouvernement qui succède à celui dans lequel les faits ont été commis. Par exemple, les lois argentines du point final de 86 et de l'obédience due de 87, ou encore la loi uruguayenne de 1986 sur la caducité de la prétention punitive. Et enfin, les amnisties peuvent être aussi inconditionnelles ou conditionnées, dont le champ d'application est limité. Les lois d'amnistie ont profondément marqué cette région et cela explique la jurisprudence du système interaméricain des protections des droits de l'homme que j'ai tenté de décrire et qui va vraiment très loin, beaucoup plus loin que n'importe quelle juridiction internationale dans le rejet de ces lois. Moi, je pensais vous montrer un extrait d'un entretien de Louis Joanet qui expliquait un peu l'origine de ses travaux. Peut-être que nous aurons de la chance de pouvoir le mettre a posteriori sur le site. Parce que cet entretien de Louis Joanet, attendez, parce que j'ai ici... Vous allez pouvoir... Est-ce qu'il est là? Oui. Là, vous pouvez de toute façon accéder sur le site du Collège de France à cet entretien. Il a été organisé dans le cadre de ces colloques que j'ai évoqués de 2011, parce que ces colloques, ils étaient structurés en deux parties. D'une part, le rôle des régimes autoritaires latino-américains dans l'évolution du droit international, et d'autre part, les expériences nationales des transitions en face des exigences du droit international. Et pour cette première partie, nous avons voulu reprendre les travaux menés à l'ONU au sein de l'ancienne sous-commission des droits de l'homme, les travaux sur la lutte contre l'impunité, et nous nous sommes intéressés au rôle des experts indépendants français, leur contribution à l'évolution normative et le rôle joué par l'Amérique latine dans le développement de leurs travaux. Donc Louis Joanet montre très bien l'importance des maires de la place de mai ou des dissidents politiques brésiliens dans l'élaboration de ces travaux au sein des Nations Unies. Et seulement pour vous dire que il y a eu cet entretien entre Louis Joanet et Emmanuel Descaux, donc deux experts indépendants. Emmanuel Descaux a succédé à Louis Joanet, qui lui-même a succédé à Nicole Questio, à la sous-commission des droits de l'homme. Et là, j'aimerais aussi rappeler les travaux de Nicole Questio, qui ont été très importants pour l'Amérique latine, parce que c'est elle qui, dans les années 60, a élaboré une étude sur les conséquences pour les droits de l'homme des développements des situations dites d'état de siège ou d'exception, d'actualité toujours. Donc Louis Joanet a pris la relève de ses travaux. Donc j'espère que nous pourrons l'entendre. Mais revenons donc à nos lois d'amnistie. Certes, les lois d'amnistie peuvent jouer un rôle important dans les processus d'ouverture démocratique. Dans plusieurs hypothèses, elles permettent des transitions en douceur placées sous les signes du compromis et sans rupture. Le maintien de ces lois est censé préserver les démocraties récemment établies
et de ses faits faibles, des menaces d'intervention militaire ou d'obstruction à la transition de régime. Certains travaux, comme ceux de Sandrine Lefranc, sont éclairants sur cette question, et notamment son ouvrage sur les politiques du pardon. Donc, ces lois ont eu leur utilité. Pourtant, avec les temps, cet oubli utile lors du processus de transition peut se montrer délétère à la consolidation de l'état de droit. Par exemple, des conceptions contre-insurrectionnelles et des techniques de sécurité utilisées pendant les régimes autoritaires peuvent perdurer une fois le régime démocratique instauré. Elles perdurent, alimentant ainsi une spirale de violence, et les exemples sont multiples. Ces effets pervers d'une transition marquée par la continuité et l'impunité ont notamment été étudiés par des sociologues et des politistes. Je peux mentionner notamment les travaux de Paulo Sérgio Pinheiro, politiste de l'Université de São Paulo, et qui ensuite aussi a occupé plusieurs postes au sein des Nations Unies. Mais aussi les travaux comme la thèse de doctorat de Wanda Kappeler, L'engrenage de la répression, qui montre bien comment les stratégies sécuritaires et les politiques criminelles qui étaient officieuses pendant la dictature militaire ont perduré après l'ouverture du régime. Et pour ces auteurs, c'est parce que la page n'a pas été lue. Et je peux aussi citer les travaux de Elio Bicudo. Déjà pendant la dictature, il a été le procureur qui a essayé de poursuivre les membres de l'escadron de la mort, qui était vraiment le bras armé de la dictature pour les basses œuvres. Bon, il n'a pas eu beaucoup de succès hein, dans cette entreprise. L'ouvrage en français a été publié pendant la dictature, préfacé par Louis Joanet. Et quelques années plus tard, M. Bicudo, il publie un ouvrage de l'escadron de la mort aux justiciers, parce que, notamment dans les années 90 au Brésil, il y a eu un phénomène des milices avec une grande promiscuité entre policiers militaires et civils qui exécutaient une politique de nettoyage, donc, qui s'appelait des groupes d'extermination ou des justiciers. En France, à l'époque, il y a eu une sensibilisation très importante parce qu'il y a eu un moment... une tuerie d'enfants devant une église de Rio, et ça a eu une répercussion internationale très importante. Donc, lui, il montre bien comment l'effet de cette transition, sans rupture, a pu mener à cette continuité. Et il faut dire aussi qu'il a passé toute sa vie, ce monsieur, ensuite à essayer de restreindre la compétence aussi de la justice militaire qui a été élargie pendant la dictature. Après, il y a eu certaines réformes, mais dans la compétence de ces juridictions sont encore très, très larges, et j'aborderai ça aussi dans le cadre de la jurisprudence du système interaméricain. Donc, ces effets pervers ne justifient pas à eux seuls les mouvements auxquels nous avons assisté et assistons toujours en Amérique latine, des remises en cause des instruments juridiques posant obstacle à l'accès à la justice, à l'engagement de la responsabilité, voire à la sanction des auteurs des graves violations des droits humains. Le rôle de la société civile a été fondamental, et il est toujours, Denis a évoqué. Et si vous avez un moment pour regarder cet entretien, l'intégralité de l'entretien avec Louis Joanet, vous allez voir...
comment cette mobilisation a été importante et continue de l'être. Mais aussi des juges. Les rôles des juges nationaux et internationaux a été très important. L'activisme même de certains juges ayant utilisé les mécanismes de la compétence universelle ou à minima la compétence extraterritoriale passive en fonction de la nationalité de la victime, même si l'infraction est commise à l'étranger, a été mobilisé. Rappelons l'affaire Pinochet en Espagne, la demande d'extradition de Pinochet faite à l'Angleterre par les juges espagnols Garzón. Ça, pour certains auteurs, cette affaire a été les déclencheurs du mouvement des remises en cause des obstacles juridiques et de l'ouverture des procédures contre les auteurs d'exactions pendant la dictature chilienne au Chili. Rappelons également l'affaire Filartiga, il est moins connu en France, une affaire aux États-Unis sur le fondement de l'Alien Tort Claims Act, qui est une loi qui date presque de la Révolution française. C'est une loi qui a plus de 200 ans et qui a été réhabilitée, qui a été mobilisée dans les années 80 pour poursuivre un Paraguayen ayant commis une infraction au Paraguay contre un Paraguayen. Donc, vraiment compétence universelle. Mais là, contrairement à l'affaire espagnole ou aux affaires belges, ce n'était pas une compétence pénale universelle, mais une compétence civile universelle. Nous avons aussi eu des procès en France. Dans les années 90, le procès d'Alfredo Astiz, l'ange de la mort, qui a été condamné à perpétuité par contumace pour la disparition forcée des deux religieuses françaises pendant la dictature argentine, ou en 2010, les procès des 14 membres de la junte militaire chilienne pour les disparitions des quatre Français. Certains auteurs ont utilisé l'expression « justice en cascade », et qui a vraiment eu une importance dans l'ouverture ensuite des procès au niveau national et le fait de lever les obstacles qui existaient. C'est l'ouvrage, notamment, je vous ai mis la référence. Attendez, parce que... Oui, je vous ai mis aussi... Malheureusement, c'est en portugais du Brésil, mais c'est un travail très éclairant sur ces mouvements que l'auteur Marcelo Torelli dénomme des gouvernances transnationales des droits fondamentaux. Et il s'appuie sur les expériences latino-américaines. La thèse est de 2016 et elle a été publiée en 2017. Il ne faut pas oublier non plus qu'en parallèle, nous avons la mise en place des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour juger des crimes commis en ex-Yougoslavie et Rwanda, donc c'est aussi à la même époque, hein, début des années 90, et l'adoption de les statuts de Rome en 1998 qui crée la Cour pénale internationale. Donc justice en cascade au niveau transnational, et aussi au niveau international, l'affirmation, par exemple, de l'imprescriptibilité des crimes prévus par le statut de Rome. Or, rien n'est dit sur les amnisties qui étaient même jusque-là préconisées par le droit international humanitaire dans les années 70. Par la suite, j'aimerais donc aborder avec vous, c'est le rôle du système interaméricain aussi dans tout ce processus que j'ai décrit.
Vous parlez de sa jurisprudence sur la lutte contre l'impunité de violations graves et massives des droits de l'homme, notamment les renforcements des obligations positives de nature pénale, mais aussi l'affirmation d'un droit à la vérité et la question des réparations. Et à ce titre, le rôle des politiques des mémoires, parce que c'est les réparations au sein du système interaméricain, elles ne sont vraiment pas pécuniaires. Le système évite de se limiter aux indemnisations. Il y a beaucoup de mesures de réparation symboliques, la construction des mémoriaux, les changements des noms des rues pour éviter que l'on garde des rues avec les noms des tortionnaires. Aussi ce qu'on appelle une reconstitution d'un projet de vie, un projet de vie qui a été interrompu pendant les régimes autoritaires, par exemple quelqu'un qui n'a pas pu poursuivre sa carrière et que l'État doit tout faire pour rétablir ses projets de vie. Donc, quelques mots sur les systèmes interaméricains des droits de l'homme. Les pays d'Amérique latine, comme les pays d'Europe, donc, ils font partie d'un système régional des protection des droits de l'homme et soumis, pas tous les pays, à une juridiction supranationale qui est la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il faut dire que ce système, aujourd'hui, il est un peu plus connu du monde francophone, mais pendant quelques années, il était vraiment méconnu en raison d'un problème linguistique aussi, parce que les décisions étaient en espagnol et en anglais, pas très peu en français. Le système interaméricain, donc, il est, avec les systèmes européens et africains, l'un des principaux systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Il est le résultat d'une longue évolution qui a débuté en 1948, avec l'adoption de la déclaration américaine, avec la création de l'OEA déjà, l'Organisation des États américains, et l'adoption de la déclaration américaine des droits de l'homme, adoptée d'ailleurs 6 mois avant la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, si sa genèse date des années 50 et est contemporaine à celle du système européen, il a fallu attendre 1969 pour qu'une convention soit adoptée. Elle a été adoptée dans un contexte politique difficile qui était déjà celui des dictatures. Et donc c'est pour ça que la convention a pris une dizaine d'années pour entrer en vigueur, et l'organe juridictionnel de contrôle, la Cour interaméricaine, n'a été installé qu'en 1979. Donc nous pouvons affirmer qu'il y a un décalage d'une vingtaine d'années entre les systèmes européens et les systèmes interaméricains. La Convention européenne, elle a servi de source d'inspiration à la Convention américaine, mais la Convention américaine va parfois un peu plus loin. Par exemple, dans la reconnaissance un droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, que, comme je mentionnerai un peu plus tard, c'est important dans l'évolution de la qualification des disparitions forcées, du phénomène des disparitions forcées. Bon, elle consacre aussi un article au droit de l'enfant, un article au droit à un nom. Je ne vais pas entrer en détail parce que ce n'est pas pertinent. Le système interaméricain, il est assez complexe parce qu'il est fondé à titre principal sur 2 instruments, la déclaration américaine et la convention. À ces dualismes normatifs s'ajoute un dualisme institutionnel. Il s'agit d'un système bicéphale qui possède 2 organes de contrôle distincts, la commission et la Cour interaméricaine. En plus, basé dans 2 pays distincts, États-Unis pour la Commission, Costa Rica pour la Cour. Et pour compléter cette complexité,
la convention américaine n'a pas été signée, ratifiée par tous les États membres de l'OEA, contrairement à ce qui se passe dans le système européen. Il faut dire aussi un point important, c'est que il faut que les pays acceptent la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine, ce qui n'est pas le cas en Europe. Bon, et un autre point important aussi, c'est que cette disparité quant à l'état des ratifications de la Convention explique le maintien des deux organes, la Commission d'une part et la Cour, parce que la Commission, sur le fondement de la déclaration américaine, est le seul organe compétent pour contrôler le respect des droits humains en Amérique du Nord, parce que les États-Unis et le Canada ne font pas partie à la Convention et n'ont pas accepté la compétence de la Cour interaméricaine. Enfin, seulement pour vous dire, c'est un système plus récent, c'est une cour beaucoup plus limitée en nombre de juges, qui n'est pas permanente, qui pendant des années donc, se réunissait quelques fois par an. Donc quantitativement, la jurisprudence de la Cour interaméricaine, elle est beaucoup moins importante que la jurisprudence de la Cour européenne. En revanche, qualitativement, c'est une jurisprudence très audacieuse qui va très loin et qui, contrairement au système européen qui est dans l'interprétation évolutive de la Convention, se fonde sur un consensus régional européen, la Cour interaméricaine, elle se fonde sur un consensus international. Donc, elle utilise des sources exogènes au système pour interpréter les textes fondateurs, donc notamment des sources du droit international pénal, les sources onusiennes. Donc, il y a une ouverture beaucoup plus large. Il faut dire que la Cour européenne a fait des progrès hein, depuis quelques années, mais quand même, ces consensus qui est vraiment favorisé dans l'interprétation de la Convention, il est plutôt un consensus européen. Le particularisme de ces systèmes, le système interaméricain, est dû notamment aux violations des droits humains, notamment des violations graves et massives qui ont été commises dans les continents. Entre 87 années où la Cour a rendu son premier arrêt, parce qu'au départ, elle avait seulement une activité consultative. Il y a eu beaucoup d'opinions consultatives avant vraiment de trancher sur des affaires contentieuses. Donc, sa première affaire a été rendue... Attendez, maintenant j'ai un doute, c'est dans les années 80 aussi. Attendez, parce que j'ai fait la liste là. Hop. Que je vais ensuite, là, c'est les arrêts. Je vous ai fait une liste des arrêts sur la lutte contre l'impunité, hein, des graves violations des droits de l'homme. Elle a rendu son premier arrêt en 87. C'est l'affaire Velázquez-Rodríguez contre Honduras, qui n'est pas là, donc c'est une bêtise, sur des disparitions forcées. Donc la jurisprudence, elle reste relativement modeste sur les plans quantitatifs, mais sur les plans qualitatifs, très riche, originale et, comme je vous ai dit, audacieuse. Et en raison des violations graves et massives qui ont eu lieu dans les continents, sa jurisprudence a été très importante en matière de lutte contre l'impunité des graves violations des droits de l'homme. L'impunité, elle est définie par la Cour comme les défauts dans son ensemble d'enquêtes, de poursuites
d'arrestations, des jugements et des condamnations des responsables des violations des droits protégés par la Convention. Même si les deux textes fondateurs du système interaméricain, la Déclaration et la Convention, ne contiennent pas des dispositions spécifiques concernant les devoirs d'enquêter, de punir, de la jurisprudence interaméricaine ressort que l'État ne peut pas renoncer à son jus puniendi en matière de violation grave des droits de l'homme. L'impunité, elle est considérée comme néfaste par la Cour, car elle favorise la répétition chronique des violations des droits de l'homme et l'incapacité des victimes et de leurs familles de défendre leurs droits. Aucune disposition ou institution de droit interne ne peut faire obstacle à l'obligation d'enquête, à celle des sanctions des responsables des violations, et l'État doit ainsi écarter tout obstacle de fait ou de droit qui maintient l'impunité. Là, je vous cite vraiment, ce sont des affaires, et notamment de sa première affaire, en fait, l'importance de lutter contre l'impunité a été affirmée. Des décisions prises par la Cour dans le cadre de cette lutte contre l'impunité ressortent quelques processus comme celui qui a été qualifié parfois de pénalisation du système interaméricain par les développements des obligations positives de nature pénale. Celui de l'émergence de l'incrimination de disparition forcée, donc une obligation de légiférer pour qualifier les disparitions forcées, l'affirmation d'un droit à la vérité et l'inapplicabilité des mesures des clémences. Pour le développement des obligations positives, c'est quelque chose aussi qui est développé par la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour interaméricaine, elle va plus loin que la Cour européenne. Selon la théorie des obligations positives, les États doivent adopter toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective des droits humains. Pour les systèmes régionaux, la pleine effectivité des droits de l'homme ne peut pas être garantie au travers de seules obligations négatives, entendues comme les devoirs de l'État de s'abstenir de violer les droits de l'homme du fait de ses propres agents. La pleine effectivité des droits humains implique également des obligations positives de protection, y compris dans les rapports entre particuliers, ce qui a été qualifié par certains auteurs d'horizontalisation des droits de l'homme. Donc, les développements de l'effet horizontal des conventions des protections des droits de l'homme, qui implique la responsabilité de l'État pour des violations commises entre particuliers, en raison d'une carence de l'ordre juridique qui peut se traduire soit par l'absence d'intervention juridique, soit par une intervention insuffisante. Et, comme je vous ai dit, notamment en raison de la typologie des violations commises sur les continents, les mouvements des renforcements des obligations positives et notamment de nature pénale, donc des protections par les biais du droit pénal, ont été poussés très loin. Et il faut dire que ces mouvements, ils effrayent parfois les pénalistes, parce que c'est vraiment une ambivalence de la relation entre le droit pénal et les droits de l'homme qui est mise en évidence. Il y a eu plusieurs auteurs qui se sont manifestés sur ces questions, comme Yves Cartouniez, j'arrive jamais à prononcer. Les droits de l'homme comme épée. Au bouclier, Mireille Delmas-Marty qui parlait aussi du paradoxe pénal, les paradoxes d'un droit pénal qui à la fois protège et menace
les droits de l'homme, alors que les droits de l'homme permettent à la fois d'encadrer et d'étendre les droits pénals. Nous pouvons aussi revenir sur ces questions après. Donc, parmi les obligations positives de nature pénale, il y a celle de criminalisation des disparitions forcées. Dans les cadres du système interaméricain, cette obligation de criminalisation s'est manifestée surtout dans ces affaires sur les disparitions forcées, qui a été un phénomène très répandu, généralisé sur les continents. Il s'agit souvent d'exécutions des dissidents politiques détenus au secret et sans jugement, suivies de l'occultation de cadavres afin d'effacer toute preuve matérielle et d'assurer l'impunité de l'auteur. Si une telle généralisation de cette violation a eu lieu, c'est parce que la disparition forcée a été perçue comme le crime parfait. Absence des victimes, elle a disparu. Des corps du délit, il est occulté, dissimulé. Et souvent d'auteur, parce que celui-ci il est couvert par l'appareil d'État et ne se manifeste pas. Même si l'Assemblée générale des Nations unies, dès les années 70, a adopté des résolutions sur ce phénomène, c'est surtout le système interaméricain qui, avant même l'adoption d'une convention interaméricaine sur les disparitions forcées, c'est la jurisprudence du système interaméricain qui a fait évoluer la qualification qui a ensuite été reprise par d'autres instruments internationaux. C'est dans l'affaire Velázquez-Rodríguez, donc la première affaire, c'était contre le Honduras, c'était la première décision d'une juridiction internationale relative aux disparitions forcées. La Cour a précisé que cette pratique impliquait une violation multiple et continue des nombreux droits reconnus par la Convention et que les États étaient obligés de respecter et de garantir. Donc, les bases juridiques utilisées par la Cour pour condamner l'État pour de telles pratiques étaient notamment l'article 4 de la Convention, droit à la vie, 5, droit à l'intégrité personnelle et de ne pas être notamment soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Article 7, droit à la liberté ou de ne pas être détenu arbitrairement. Et plus tard, bien plus tard, parce que cet arrêt est de 87, ce n'est qu'en 2009 que la violation de l'article 3, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, a été aussi considérée comme intégrant cette pratique. Donc, vu le caractère multiple et complexe de cette violation, la Cour a revu sa position pour considérer que la disparition forcée, elle entraînait la violation de cet article 3, parce que les refus de reconnaître la privation de liberté ou la destinée de la victime entraînent la soustraction de celle-ci à la protection de la loi, fragilisant ainsi sa sécurité personnelle et juridique. Donc la disparition, elle soustrait la personne du domaine de l'ordre juridique, ni son existence même, et la maintient dans une situation d'indétermination juridique face à la société et à l'État qui l'empêche d'exercer de manière effective ses droits en général. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça passe, le temps passe. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que la considération des disparitions forcées comme des graves violations des droits de l'homme et leur qualification en tant que crime contre l'humanité par la Cour ont contribué à un renforcement des obligations positives des natures pénales. Dès sa première affaire, je vous ai dit que la Cour est ouverte à des sources exogènes au système, dès sa première affaire, la Cour utilise des concepts de droit international pénal lorsqu'elle qualifie des disparitions forcées des crimes contre l'humanité
Puis, dans une affaire contre le Paraguay, l'affaire Goiburu, celui-là, il est sur la liste, qui concerne l'opération Condor, elle forge sa théorie de la responsabilité des États pour graves violations des droits de l'homme, et elle se fonde sur les dispositions du statut de Rome, comme l'article 7, pour qualifier la disparition forcée des terrorismes d'État. Elle qualifie de terrorisme d'État l'utilisation du pouvoir de l'État pour organiser à un niveau interétatique des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Et la Cour conclut à une responsabilité aggravée de l'État. De ces crimes d'État naissent des obligations qui impliquent l'adaptation de la législation pénale nationale à la Convention, notamment l'incrimination des disparitions forcées, l'établissement d'une peine proportionnelle à la gravité de cette violation, mais également la suppression de tout obstacle à l'enquête, poursuite et sanction des auteurs présumés. Il faut dire aussi que c'est dans ces contextes des disparitions forcées qu'elle affirme un droit à la vérité. C'est de là qui part. Si l'origine d'un droit à la vérité remonte à 1977 et est liée au droit international humanitaire, c'est les protocoles additionnels numéro 1 aux conventions de Genève de 49. Le système interaméricain, il a contribué de manière substantielle à son émergence et à son affirmation en droit international des droits de l'homme. Tant dans les sphères mondiales que dans les sphères régionales, le surgissement de ce droit est intimement lié au phénomène des disparitions forcées. La Commission interaméricaine a été la première à construire une doctrine en la matière par ces rapports qui étaient publiés. Et ensuite, la Cour, que dès sa première affaire et lorsqu'elle imposait à l'État d'enquêter sur les disparitions forcées, a fait référence au droit des familles de connaître le sort de la victime, ouvrant ainsi la voie à l'affirmation d'un droit à la vérité. J'ai mentionné, ici, des références sur cette évolution des droits à la vérité. D'ailleurs, pour la Cour, le droit à la vérité est une modalité de réparation. Et ça aussi, c'est un point important. Les commissions vérité sont aussi considérées comme des mesures de réparation. Toutefois, même si les rôles de ces commissions il est valorisé par la Cour interaméricaine, par la Commission et par la Cour, la vérité historique ne peut pas se substituer à la vérité juridictionnelle. Et ça, c'est dit dans la jurisprudence de la Cour. La vérité historique ne remplace pas d'autres obligations de l'État, comme celle d'enquêter, de juger, voire de sanctionner les auteurs des graves violations des droits de l'homme. D'où l'inadmissibilité des obstacles à l'accès à la justice dans les institutions des clémences. J'ai mis aussi ici quelques références, deux thèses sur le droit à la vérité, l'une soutenue à l'Université de São Paulo et l'autre qui a fait l'objet d'une publication en français, Patricia Naftali, La construction du droit à la vérité en droit international. Donc, comme je vous ai dit, d'où on a l'affirmation d'un droit à la vérité, d'où l'inadmissibilité des obstacles à l'émergence de cette vérité, et notamment de la vérité juridictionnelle.
Et c'est de là qui vient donc toute l'évolution de la jurisprudence sur l'inapplicabilité des institutions des clémences. Parce que lorsque il y a des raisons de suspecter qu'une grave violation des droits de l'homme a été commise, l'État doit d'office, sans délai, de manière sérieuse, impartiale et effective, mener une enquête. L'enquête doit être réalisée par tous les moyens légaux disponibles et doit être tournée vers des objectifs précis. La détermination de la vérité, là je vous cite, c'est la jurisprudence de la Cour, hein. L'investigation, la poursuite, attendez, je reviens à la liste des arrêts, les jugements et l'éventuelle sanction des responsables intellectuels et matériels des faits. Elle analyse en détail les procédures internes pour s'assurer que l'impunité des auteurs des graves violations n'est prime pas. Et de ces faits, elle est parfois critiquée par les États contrôlés qui considèrent que la Cour agit comme une quatrième instance des procédures pénales. Et bon, pour aller au bout de sa logique, elle écarte tout obstacle de droit qui contribue au maintien de l'impunité. Elle exclut les causes des justifications trop amples pouvant bénéficier les auteurs des graves violations et affirme l'inapplicabilité des amnisties, de la prescription, voire des grâces lorsqu'elles font obstacle à la responsabilité ou à la sanction des auteurs de ces graves infractions. L'obligation d'enquêter, de poursuivre, voire de sanctionner, donc, ne peut pas être bloquée par la prescription. C'est notamment dans une affaire contre le Chili de 2006, Almonacid Arellano. Et la prescription, elle est écartée. Et pour l'écarter dans cette affaire, la Cour considère que ces graves violations des droits humains qui peuvent être assimilés à des crimes contre l'humanité, conformément au jus cogens, sont imprescriptibles. Et c'est intéressant parce que les Chili n'étaient pas partis à la Convention sur l'imprescriptibilité. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une construction jurisprudentielle pour écarter quand même la prescription. La lutte contre l'impunité des graves violations des droits ne pourra pas non plus être bloquée par une loi d'amnistie. Elle a été à se prononcer pour la première fois en 1997 dans une affaire relative à des disparitions forcées au Pérou, l'affaire Castillo Páez, mais c'est surtout dans une décision emblématique en 2000, c'est l'affaire Barrios Altos, relative aux violations politiques infligées à la population péruvienne pendant le gouvernement d'Alberto Fujimori, que la Cour considère, je la cite, comme inadmissibles les dispositions d'amnistie, les dispositions de prescription et l'établissement des causes exonératoires de responsabilité qui prétendent empêcher l'enquête et la sanction des responsables des violations des droits de l'homme, comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires, et les disparitions forcées. Elles sont toutes interdites car elles contreviennent à des droits inabrogeable, reconnu par le droit international des droits de l'homme. Et même si l'affaire ne concernait que les lois d'amnistie, la Cour elle a une approche globalisante et elle écarte toutes les institutions des clémences, parce qu'ici, il n'était pas question d'imprescriptibilité ou des grâces, mais elle écarte les trois. Cette décision elle a été qualifiée de historique parce que c'était la première fois qu'un tribunal international déclarait une loi d'amnistie dépourvue d'effet et elle a été confirmée à plusieurs reprises pour écarter la loi d'amnistie chilienne,
la loi brésilienne ou la loi uruguayenne. Là, vous avez, c'est, pour l'Uruguay, c'est l'affaire Hellman de 2011. Et guérilla de l'Araguay, Gomes Lund, il devait être là. Je vais en trouver après. Non, c'est... je ne le vois plus. Gomes Lund, c'est le troisième. Gomes Lund et autres, guérilla de l'Araguay contre le Brésil, qui a été suivi ensuite, vous voyez la dernière affaire, Herzog contre le Brésil de 2018, où là aussi, elle est écartée. Et ce qui est, lors de l'affaire brésilienne, la Cour saisit l'occasion pour consolider sa jurisprudence en la matière. Elle consacre 23 paragraphes à la condamnation des lois d'amnistie. Elle passe en revue des décisions et rapports adoptés à différents niveaux, mondial, régional, national, et dans différents systèmes normatifs. Elle passe en revue le système onusien, mais également les juridictions pénales internationales, les systèmes régionaux et africains, et enfin différents systèmes nationaux, en faisant référence à des décisions des cours suprêmes argentines, chiliennes, uruguayennes et celles des tribunaux constitutionnels du Pérou et des Colombies. D'ailleurs, il faut dire aussi que la Cour était sous pression quand elle juge cette affaire contre le Brésil, parce que la Cour suprême brésilienne venait de valider la constitutionnalité de la loi d'amnistie de 1979. Et dans une affaire concernant la loi uruguayenne, c'est l'affaire Hellman, la Cour consacre la supériorité de l'obligation internationale d'enquêter, de poursuivre et les cas échéants de punir, même contre la volonté de la population locale. Parce que dans cette affaire, il y a eu une consultation populaire de 2009 qui confirmait la volonté du peuple de ne pas remettre en cause la portée de la loi de 86. Et il y a eu cette consultation qui est intervenue quelques jours après la décision de la Cour suprême uruguayenne ayant déclaré l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de cette loi. La Cour interaméricaine, dans cette affaire, elle considère, je la cite, « Le fait que la loi de caducité ait été approuvée par un régime démocratique et qu'elle ait en plus reçu les soutiens populaires à deux reprises, ne lui confère pas, ni automatiquement, ni en soi, la légitimité en droit international. Cette participation citoyenne se conçoit même comme un fait imputable à l'État et générateur de responsabilité internationale. » Donc l'État n'aurait pas dû lancer cette consultation. Et d'ajouter que la simple existence d'un régime démocratique ne garantit pas per se le respect permanent du droit international, ce qui a été affirmé par la Charte démocratique interaméricaine. Donc pour la Cour, notamment en cas de graves violations des normes du droit international des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme constitue une limite infranchissable à la règle majoritaire. La lutte contre l'impunité doit l'emporter sur les souhaits du peuple. Donc cette décision aussi, elle a été assez critiquée, considérée comme en allant trop loin. Parce qu'il faut penser aussi ensuite à l'effectivité de ces arrêts. Je ne vais pas entrer en détail, parce que j'aimerais peut-être qu'on ait un peu de débat, mais la jurisprudence de la Cour interaméricaine écarte aussi elle se manifeste sur l'exercice de la justice par les juridictions militaires. Là aussi, c'est une particularité du système interaméricain. Il faut penser aux tribunaux militaires de Fujimori, en plus avec des juges cagoulés, et toute l'impunité qui a été parfois assurée dans les cadres des procédures devant ces juridictions.
qui ne sont pas considérées comme assez indépendantes, impartiales par la Cour, et qui considèrent même que quand la seule juridiction compétente pour juger serait une juridiction militaire, il n'y a pas, on n'a pas besoin d'épuiser les voies des recours internes pour saisir directement la Cour. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, je crois que c'est un panorama sur les systèmes interaméricains qui a contribué quand même à des évolutions importantes. L'Argentine, par exemple, même si elle n'a pas été condamnée par la Cour interaméricaine, l'affaire Barrios Altos contre le Pérou a été une source d'inspiration à la Cour suprême pour écarter les lois d'amnistie du point final et de l'obéissance due. C'est vrai que, et ça c'est un point que je crois que nous devons évoquer, c'est que, là je vous ai parlé de la jurisprudence interaméricaine, avant j'ai parlé de la créativité de la société civile, des juristes en général, et la mobilisation aussi des juges. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs initiatives pour contourner ces obstacles juridiques. Il y a eu, par exemple, des actions en s'effondrant sur des infractions qui n'étaient pas couvertes par la loi d'amnistie. En Argentine, par exemple, les vols des bébés. C'est comme ça que les affaires... Parce qu'en Argentine, il y a eu des premières procédures qui ont été bloquées quelques années plus tard, en 96 et 17... Non, 86, pardon, et 87, par les lois du point final et de l'obéissance due, qui... Et ça par en raison des pressions qui étaient exercées par des militaires. Et même les peu de personnes qui ont été condamnées à l'époque ont été graciées ensuite par un décret présidentiel. Donc face à ces contextes, jamais il y a eu une absence de mobilisation de la société civile. Donc, des procédures internes pour des infractions pas couvertes par la loi d'amnistie, mais aussi, ce qui est très important, des procès pour la vérité, qui étaient des procédures qui ne visaient qu'à une déclaration, c'était des actions déclaratoires. Il y a eu aussi d'autres initiatives qui s'appellent les escraches, qui étaient escraches, qui étaient des mobilisations de la société civile qui se manifestaient devant le domicile d'un ancien dictateur, tortionnaire. Oui, mais justement, je le savais et là, ça ne me vient pas. Manifestation violente ou non, non, pas violente, mais c'était seulement pour que le voisinage de cette personne sache ici habite un tortionnaire. Donc, il y a eu une prolifération d'initiatives et les scratches ont eu lieu aussi dans d'autres pays avec des noms différents. Donc une multiplicité d'initiatives et finalement une évolution une manière de lever ces obstacles juridiques. Il y a eu des actions en Argentine, au Chili,
en Uruguay, des condamnations. Le Brésil est le pays où il n'y a eu aucune condamnation en matière pénale, où la loi d'amnistie est toujours en vigueur. Et d'ailleurs, en reprenant peut-être les travaux de Paulo Sérgio Pinheiro et ce que je vous ai dit, quand on n'a pas une transition, transition rupture, mais une transition molle, les risques, c'est d'avoir ce que nous avons là aujourd'hui, qui est une véritable réécriture de l'histoire. J'essaye de... Est-ce que j'ai là... Non, je ne l'ai pas ici. C'était un article... Oui, cet article-là, qui vient d'être publié, qui sont les politiques des mémoires, vérité, justice et réparation, dans la première année du gouvernement Bolsonaro, entre négation et desmonte, c'est quand on démonte, on déconstruit, déconstruction. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Brésil, où le coup d'État est appelé parfois comme mouvement de 64 ou révolution de 64. Bon, il y a beaucoup de travaux qui montrent le retour en arrière en la matière. Et je m'arrête là pour l'instant. Bien, merci. Merci beaucoup Katia pour cette ce panorama finalement du continent nord-américain et de la jurisprudence de cette cour interaméricaine qui est très mal connue en France, et c'est vraiment important qu'on puisse avoir une vision inédite de cette œuvre juridique, dont on voit très bien à travers ton exposé à quel point elle est audacieuse dans ses constructions jurisprudentielles. Je note en particulier le rôle de l'office du juge, qui est très 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 spécifique et qui est un office interprétatif large, non pas régional mais universel, puisqu'il étend ses références à d'autres sphères juridiques que la sphère simplement nationale ou même interaméricaine. Donc, je trouve, là, il y a une part d'imagination dans l'office du juge qui me semble pour nous très intéressante à creuser, notamment dans cette cour de cassation qui est très, très attachée à développer cet office interprétatif du juge. Ensuite, importance aussi, j'aime beaucoup la phrase de Louis Joinet, c'est évident, pour tourner la page, il faut l'avoir lu. Et l'avoir lu, ça veut dire accéder à la vérité des faits. Et quand la vérité des faits est masquée par les crimes d'État, par les disparitions forcées, etc., il faut un travail constructif, créatif, volontariste du juge, des avocats, enfin, des ONG, etc., pour aller chercher la vérité là où effectivement elle est malheureusement enfouie dans un passé, même s'il est récent, mais il est opaque et inaccessible. Donc la vérité comme enjeu du procès pénal. J'ajoute que pour le procès pénal, et tu l'as dit en introduction, et on le trouve aujourd'hui, je trouve, dans les procès que nous connaissons pour le terrorisme en France, je pense au procès Charlie Hebdo qui a lieu en ce moment, eh bien, il y a vraiment une hybridation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un procès pour la mémoire, d'un côté, pour les victimes en particulier, et d'un autre côté, un procès pour les auteurs, qui obéissent à des régimes de conduction d'audience très, très, très différentes, puisque les premiers, c'est l'audience, la discussion publique, l'établissement la confrontation des discours, notamment des victimes, leur audition, la reconnaissance, la cérémonie de la reconnaissance et de l'audition, donc l'audience elle-même, la cérémonie judiciaire, et puis de notre côté, le jugement pénal classique qui intervient pour les auteurs, qui est une deuxième phase presque déconnectée de la première, malgré les efforts qui sont faits pour reconnecter les deux. Donc j'insiste sur ce point parce que il faut susciter des recherches sur le procès pénal, et je trouve que là on est une recherche, je m'adresse
par la voie du numérique aux étudiants intéressés par ce thème. L'hybridation du procès pénal aujourd'hui me semble un vrai enjeu de recherche dans différents contextes historiques et juridiques tels que ceux qu'on a évoqués. Et puis, la question que je me pose, c'est une question que je te pose, c'est l'effectivité. Parce que devant une jurisprudence aussi audacieuse, aussi imaginative, dont les ressources de l'office du juge ne sont pas forcément liées aux États eux-mêmes. Hein. On a bien vu que c'est une sorte de collégialité mondialisée des juges qui se nourrissent de leurs échanges mutuels. Quelle peut être, face à une telle audace juridictionnelle, la réception de ces arrêts par des États dont tu nous as dit qu'il y avait effectivement perduré des atteintes aux droits de l'homme importantes au sein des États. Comment une jurisprudence aussi audacieuse, aussi forte, peut quelque part transformer et modifier les pratiques politiques au sein des États eux-mêmes, des gouvernements qui ne les ont pas produits, qui les subissent en quelque sorte? Est-ce qu'ils les acceptent? Est-ce qu'ils les subissent ou est-ce qu'ils les intègrent? J'ai le sentiment, d'après ce que tu nous dis à travers l'affaire Barrios qu'on vient de voir, qui concerne le Pérou, qu'effectivement, il peut y avoir un effet de rayonnement, de diffusion, malgré tout, qui existe. Qu'en est-il de ce point de vue-là? Il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points qui méritent d'être soulevés. Les pays réagissent de manière aussi très différente. Et selon les contextes aussi. Comme je vous ai dit, il y avait une ouverture très importante en Argentine à l'évolution de la jurisprudence. Donc là, la réception, je crois que nous pouvons dire qu'elle a été effective. La réception de la jurisprudence de la Cour interaméricaine, même une jurisprudence qui ne concernait pas l'Argentine directement, qui concernait le Pérou. Il faut dire aussi que c'est dans l'affaire Almonacid Arellano contre le Chili où la Cour incite les juges nationaux à exercer un contrôle des conventionnalités. Elle fait un véritable appel aux juges nationaux. Et je crois que ce qu'on voit de l'expérience des juges nationaux, un point qui a retardé aussi cette ouverture à la jurisprudence interaméricaine, c'est tout simplement le manque de connaissances de cette jurisprudence, parce qu'il y a une quinzaine d'années, déjà le droit international... il était faiblement, une vingtaine d'années, hein, enseigné, et cette jurisprudence. Donc, je crois qu'aujourd'hui, elle est plus connue. Si je prends l'exemple du Brésil, il y a une grande ouverture à cette jurisprudence par les membres du ministère public fédéral, qui font référence à la jurisprudence de la Cour interaméricaine. Or, ce n'est pas le cas de la Cour suprême. Donc, il y a aussi quelle est l'échelle exactement de réception. Après, comme je vous ai dit, ça dépend des contextes politiques. Actuellement, dans les années 90-2000, le Brésil, par exemple, il était réceptif. C'est là où il a admis la compétence contentieuse de la Cour en 98. Il y avait une véritable tentative de réponse, par exemple, aux mesures provisoires qui étaient... à
adoptée par la Cour interaméricaine, notamment en matière pénitentiaire. Donc il y a eu une vraie écoute et réponse. Hein. Les décisions étaient vraiment, véritablement prises en compte. En revanche, lorsque on a touché à la question du régime autoritaire et de la loi d'amnistie, et on n'était pas dans le régime actuel, hein, politique, qui véritablement est hermétique, hein, à toute remise en question de la loi d'amnistie, mais même dans les gouvernements précédents, il n'y a pas eu une véritable réception de cette jurisprudence sur l'ouverture des procédures pénales. En revanche, pour les politiques des mémoires, oui. Et l'établissement aussi d'une commission vérité. Un autre point que je n'ai pas évoqué, mais qui me semble important aussi, c'est que toutes ces commissions vérité, plus les procès pour la vérité que j'ai évoqués en Argentine, ont servi à réunir un nombre d'éléments, de preuves aussi, qui ont été par la suite utilisées lors d'une procédure juridictionnelle pénale. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le... Autrement, oui. ce qu'on peut quand même dire, c'est que la réflexion des juridictions nationales est venue à la fois de la mobilisation des victimes, des ONG, des associations, mais est venue aussi de la capacité de la juridiction supranationale, la Cour interaméricaine, à générer des jurisprudences nouvelles et du coup à infuser en quelque sorte cette création prétorienne dans les juridictions nationales qui se sont réappropriées ces normes nouvelles dans des contentieux divers et variés. Donc c'est intéressant de voir qu'une juridiction transnationale peut, par sa simple créativité propre, transformer complètement à la fois les juridictions nationales et les pratiques politiques. Oui. Qui, dans un état de droit, sont tributaires quand même des limites juridiques qui leur sont apportées. Et il faut dire que le système interaméricain, la Cour, elle émet aussi des décisions de suivi. Ah oui. Donc, par exemple, dans les cas de la guérilla do Araguaia contre le Brésil, qui demandait à l'État brésilien de remettre en question la loi d'amnistie et d'adopter, d'ouvrir hein, des procédures. Il y a donc des décisions de suivi qui, périodiquement, qui balisent, montrent où on en est. Tel point de la décision de notre arrêt ont été respectés par l'État et d'autres qui restent c'est encore en suspens. La Cour. Qui assure le suivi de l'application de ses propres décisions. Ce sont des décisions de la Cour. Qui n'existe pas au niveau européen. Non. D'accord. Est-ce que Sylvie Imbert a des questions à poser ? Oui, merci Katia. C'était particulièrement intéressant. Franchement, je suis obligée de reconnaître que je découvre tout un univers qu'on maîtrise très mal. Et la chance que nous avons, c'est que toi, tu es vraiment de ces pays-là et que donc tu apportes un regard complètement neuf et nouveau sur ce qu'on connaît. Et en écoutant tout ce que tu as dit et les commentaires, le terme de déconstruction me paraît particulièrement bien utilisé. Et ça me fait penser évidemment à la manière dont Derrida explique cette déconstruction. Il explique que c'est un terme d'architecture à l'origine et que dans la déconstruction d'un bâtiment, on le détruit pour le reconstruire à l'identique. Là, c'est un peu ce qu'on fait, sauf que les rapports d'équilibre sont complètement changés, quasiment complètement inversés. Et Denis parle du rôle du juge, et là, c'est vrai que quand on enseigne ou autre, on dit que juger, c'est comprendre, on commence par comprendre ce qui s'est passé, mais pas là. Là, c'est la connaissance. Le juge connaît, mais il ne connaît pas tout seul.
La connaissance a un domaine, un champ d'application beaucoup plus large que ce qu'on avait jusqu'alors. C'est ce qui fait que le rôle de la société civile dont tu parles est fondamental. Quand on dit que le juge, c'est la société, c'est un des aspects qui apparaît ici. Mais en même temps, eh bien, on a cette justice qui s'est développée et qui, comment expliquer ça, à mon avis, je me trompe peut-être, hein, Katia, mais on n'est pas dans... Toi, tu parles d'une réécriture de l'histoire, tu as dit ce mot. Moi, je pense que... Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire du droit et de la justice qui est réécrite? Parce que l'histoire, elle, ne change pas, finalement. Oui, là, quand j'ai évoqué cette révision et réécriture de l'histoire, c'est tout récent. C'est depuis la campagne électorale de Jair Bolsonaro au Brésil, que comme le Brésil est le pays vraiment qui, je pense, a le moins lu de manière juridictionnelle, hein, parce qu'il y a eu des commissions de réparation, il y a eu un travail incroyable qui a été réalisé, hein, ces 10 dernières années, et qui maintenant est un peu déconstruit. Mais pendant toute la campagne électorale, pour vous donner une idée, quand il y a eu la procédure d'impeachment contre l'ancienne présidente Dilma Rousseff, lui, en tant que parlementaire, quand il s'est exprimé, il a fait l'apologie du colonel Ustra, qui était le tortionnaire de Madame Rousseff, et en disant que sa seule faute, c'était de ne pas avoir fait le travail jusqu'à la fin. Vous voyez, c'était un peu ça, ces déclarations. Mais lui, il n'était pas le seul, hein. Lui, c'est un personnage assez particulier. Mais quand on voit, par exemple, le président de la Cour suprême brésilienne, en plus, c'était dans un événement commémoratif à l'Université de São Paulo, dans ma faculté de droit, lui qui était un collègue, hein, d'appeler le coup d'État de mouvement de 64, je crois que les mots ont un poids très important, et c'est ça ce que nous avons assisté pendant quelques mois, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation, cet article le montre très bien, que au lieu de détruire le système qui a été mis en place, on a une occupation de ces instances par des personnes qui font l'apologie du régime autoritaire, et donc c'est une déconstruction de l'intérieur. Donc c'était dans ce sens-là, hein, que j'ai voulu utiliser. C'était très particulier. Ce n'est pas du tout le contexte que nous avons dans d'autres pays, dans les autres pays du Cône Sud. Autrement, effectivement, c'est quelque chose qui a été bien repéré par au moment du nazisme par ceux qui ont observé le langage totalitaire. Et qu'effectivement, en transformant le langage, le sens des mots, finalement, on transformait le rapport à la réalité des Allemands à l'époque, qui intégraient peu à peu le langage des nazis, un langage simple, brutal, carré, qui évacuait complètement la complexité du monde, d'une certaine manière, et du langage. Donc il faut faire attention, effectivement, à ce vocabulaire-là, parce qu'il peut, de déconstruction en déconstruction, transformer le rapport à la mémoire du peuple brésilien, que la Cour interaméricaine reconstruit par ailleurs avec l'aide de certaines juridictions nationales. Donc c'est sur ça, ce rapport à la mémoire peut effectivement être un vrai enjeu pour le Brésil ou d'autres pays demain, à travers simplement le sens des mots.
qui peut effectivement déplacer la vision qu'on a de la mémoire qui a été patiemment reconstruite par la Cour interaméricaine. Donc je trouve ce point tout à fait passionnant dans les constructions. Et heureusement qu'il y a des décisions de suivi de la Cour qui peut baliser le terrain et rappeler périodiquement les conquêtes patiemment apportées à cette construction de la mémoire. Alors, il n'y a pas de questions. Sylvie, plus de questions. On va peut-être en terminer là. Je remercie Katia, je l'applaudis aussi de son exposé. Katia Martin-Chenu, merci beaucoup. Et peut-être Sylvie, est-ce que nous avons une prochaine séance pour ce cycle de conférences? Quel est le calendrier prévu? Alors, non, nous avons décidé d'un commun accord de ne pas continuer notre cycle. Donc c'est la dernière conférence. Il était trop tard, je pense, pour la supprimer. Mais celle du 12 novembre ne peut pas avoir lieu puisque nous ne savons pas exactement comment ça va évoluer. On ne sait pas si le pic de pollution de pandémie va être encore plus important. Donc oui. On pense qu'il est plus raisonnable de ne pas faire venir... De reporter à 2021. Et de reporter en 2021. Voilà. D'accord. Merci. Bien, merci Sylvie, merci Katia, merci. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci.